sliding doors on your time machine will close automatically. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle. Spatial, notre planète voyage depuis la nuit des temps. Et pendant un bref instant, nous sommes ses passagers. Mais où allons-nous? Et quel est notre avenir? Étonnamment, la réponse se trouve dans notre passé. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons inventé pas à pas notre avenir. Alors ensemble, remontons le temps. Je vous montrerai comment nos ancêtres ont créé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, ce sera à votre tour d'inventer le monde de demain. Notre histoire commence dans un monde hostile. Isolés, nous luttions pour survivre. Puis nous avons appris à communiquer et à chasser en groupe pour la survie commune. Il nous a fallu 15 000 ans pour avoir une deuxième grande idée, conserver nos connaissances sur les parois des grottes. Le problème, c'est qu'en cas de déménagement, les connaissances restent sur place. Maintenant, allons en Égypte ancienne, car un événement va bientôt changer irrémédiablement le futur. Anonyme invente le papyrus, l'ancêtre du papier, en écrasant des roseaux. Le papyrus permet un meilleur archivage des plans, des dessins et malheureusement des infos. Mais il a aussi favorisé l'émergence des grandes civilisations. À cette époque, chaque civilisation a sa propre forme d'écriture qu'aucune autre ne peut comprendre. Mais les Phéniciens, qui commercent avec tout le monde, trouvent la solution. Ils créent un alphabet simple et adaptable à toutes les langues. On ne les remerciera jamais assez d'avoir inventé un alphabet aussi facile à retenir. Les Grecs anciens étaient de grands précurseurs. Ils ont d'abord inventé les écoles publiques où ils enseignaient une nouvelle et fascinante matière, les mathématiques. Les maths ont donné naissance à la technologie qui est à l'origine de notre style de vie high-tech d'aujourd'hui. Grâce à l'héritage des Grecs, les Romains ont bâti un puissant empire. Pour déplacer leurs armées, ils ont construit un réseau de routes dans tout le monde antique. Rome a créé le premier réseau planétaire et a ouvert la route du futur. La route en question s'arrête à la chute de l'Empire romain. La grande bibliothèque d'Alexandrie est détruite par un incendie. Une grande partie de notre savoir est perdue à jamais. Du moins, le pense-t-on. Au Moyen-Orient, certaines bibliothèques possédaient des copies des ouvrages disparus conservés par les érudits juifs et arabes. Un des premiers systèmes de sauvegarde. Les livres sont sauvés et avec eux notre vision du futur. En Europe, les moines recopiaient inlassablement les livres à la main. Mais les choses allaient bientôt changer. En
En 1450, Gutenberg invente l'imprimerie à caractère mobile. À présent, le savoir peut se diffuser aussi vite que ses nouveaux livres. Et ils vont se diffuser vite. Les livres ont accéléré les progrès dans tous les domaines. La conséquence a été cette incroyable explosion d'invention, la Renaissance. N'était qu'un début. Maintenant, la technologie de la communication nous entraîne vers l'avenir. Bientôt, tous les gens sur Terre pourront partager les temps forts de leur vie, plus vite que jamais. À cette époque, il est possible de communiquer de n'importe quel endroit sur Terre, et en 1969, depuis encore plus loin. Afin d'aller sur la Lune, l'homme a dû inventer un nouveau langage pour faire parler les ordinateurs. Au début, ils étaient énormes et très coûteux. Mais on connaît maintenant leur potentiel. Oh, si tout le monde avait pu avoir une de ces merveilleuses machines à la maison. Le problème, c'est qu'elle faisait la taille d'une maison. La solution est trouvée dans un garage en Californie. Des jeunes gens passionnés d'avenir mettent la puissance des ordinateurs à la portée de tous. Ensemble, nous formons à présent un réseau de milliards d'individus interconnectés. Une fois encore, nous sommes à l'aube d'une nouvelle renaissance. Voyage de 30 000 ans, nous sommes devenus une communauté mondiale prête à construire l'avenir de notre vaisseau spatial, la Terre. Please remain seated, time travelers. Attention, travelers. Please remain seated. Your time machine is rotating back. Return to Earth. In preparation for your return to Earth, your time machine is now rotating back. Please remain seated. Attention. You are now rotating back when you return to Earth. Please remain seated. Attention. Please remain donner son avis sur le monde dans lequel il souhaite vivre.
Durant 30 000 ans, nos choix ont jour après jour inventé l'avenir. Et à présent, c'est votre tour de choisir. Agent de voyage virtuel. Hôtel réservé. Restaurant réservé. Visite guidée réservée. On ne s'ennuie jamais en voyage dans votre voiture équipée de technologies holographiques qui vous connectent avec vos amis où qu'ils soient. Vous vous rendez rapidement et sûrement dans des endroits jusqu'alors inaccessibles. Et arrivé sur le lieu de vos vacances, vous quittez la Terre pour vous envoler vers le futur. C'est la fin, ou alors c'est le début de votre avenir. En route pour les 30 000 prochaines années sur Spaceship Earth. Personne ne sait avec certitude ce qui nous attend, mais je sais qu'il s'agira d'une merveilleuse aventure que nous vivrons et inventerons ensemble. À bientôt dans le futur. Nous sommes de retour, chers voyageurs du temps. À présent, Siemens vous invite à découvrir Project Tomorrow, un monde passionnant d'innovation créé par le génie de Siemens. L'ouverture des portes est automatique. Veuillez vous en tenir éloigné et rester vigilant en descendant de la plateforme mobile.